Ami Willa Follower, bonjour. J41, l'aventure, certes participer, 6 000 km et tout ça, tu le sais, c'est en roue électrique. Allez, on est prêt avec mon Eric là derrière moi. On est prêt à parcourir 140 km aujourd'hui, direction Soto del Barco. Et donc on s'est bien reposé hier dans une petite suite. Hein, on avait une petite Bah, une suite là. suite carrément, C'était bien on avait deux clés. sympathique. Et donc ça, c'était à Lourenza. Ouais. Allez, aujourd'hui on espère de voir beau paysage. C'est parti, go! Animalière du jour sera un petit poney. Bon, alors les loulous, ouais, allez, l'aventure, c'est reparti. Allez, le pont des Santos. Ouh, c'est plutôt serré. Bah ouais, waouh, la vue, elle est folle. Oh, cette vue. Incroyable. Oh ouais, j'ai la tige verte un peu. Vas-y, on y va. Allez, c'est parti. Allez, J41, l'aventure, ça continue après avoir parcouru 50 km avec Eric ce matin. On est plutôt pas mal au soleil et on s'est arrêté à une petite station-service. Et là, c'est les spots pour les prises électriques. Il y en a partout. Autant dire que tu peux constater que derrière moi, nos prises, elles rechargent. Et on n'a pas partagé les prises tellement il y en a. On en a pris une chacun. Et oui, c'est fou. Et je vais t'en montrer encore plein d'autres. Et c'est maintenant. Alors déjà, station-service. On arrive derrière, on trouve deux prises sur le mur, impeccable. Moi j'ai prêté ma centrale nucléaire à Eric parce qu'il consomme un petit peu plus que moi. Et moi j'ai mis ma mini centrale avec juste 6 ampères. Eric charge à 8 ampères. Voilà, tout se passe bien. On va aller se rapprocher vers Eric. On va aller prendre les impressions de ce matin, de voir comment se passe la route pour lui. Alors Eric, ça se passe bien la route pour toi? Ouais, super. C'est bien ce matin? Du billard. On est... En plus, on est au bord de la mer. Ouais, on est près de la mer. On n'est pas tout près, mais on l'a vu et tout. On l'a vu, on prendra quelques rushs, quelques vidéos tout à l'heure. On a vraiment bien roulé ce matin, là, 50 km. Là, ouais, c'est parfait. J'espère qu'on peut repartir pour 50 une fois qu'on aura chargé. Un petit peu, ouais, on va recharger, ouais. Puis ça va le faire. En tout cas, on a trouvé un spot. Le spot est fou. Je pense qu'elles se reproduisent ici, les prises. Ouais. Putain, il y en a partout. Là, c'est un mini resto, un petit resto un peu sympa. Et des prises ici, on a regardé un petit peu. Bon, bah là, c'est fermé. Mais des prises, il y en a là-bas encore. Que j'avais trouvé là derrière. Tadam. Là, il y a encore une prise où il est possible de se brancher. Il y en a encore dans le mur là-haut, près de la télé. Et évidemment, il y en a encore là-bas. Là.
Il y en a encore là-bas, des prises. Hop. C'est vrai que les spots station-service pour recharger, c'est plutôt pas mal. Et on a encore deux prises d'accessibles ici. Autant dire qu'il y a des prises, il y en a partout. Allez, l'aventure, ça continue. Un peu beaucoup de vent là. Il y a un petit peu de vent. Là on a bien ramassé les 15 bornes, là on a bien ramassé. Là ça s'est calmé d'un coup mais... Bah on est en ville. En ville il y a moins de vent. Allez, il y a... Navia. Ah là la ville. C'est pas pareil. Charge à midi, voilà le point de vue que nous avons, plutôt pas mal hein. Allez, on va aller manger, go. Et voilà, à midi, nos deux roues qui rechargent. Nous avons été super bien accueillis et pour preuve, nous avons fait une salade de chargeurs. Et là, c'est 8 ampères en recharge ici. Et 8 ampères en recharge par là. Allez, go! Allez, J41, l'aventure, ça continue. Et nous sommes en pause midi resto. Et nous allons regarder ce qu'il y a à manger. Ça va, Eric, la route, ça s'est bien passé? Ouais, super, ouais. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, là. Regardez la vue un petit peu qu'on a. Elle est un peu dégueulasse, mais bon, on fera avec. Je la trouve pas terrible. Et on va regarder le menu. Alors explique-nous un petit peu le menu, s'il te plaît. Alors ça, médocrio, je me demande ce que c'est, mais pour moi, ça veut dire la moitié d'un enfant. Qu'est-ce que ça doit être bon. Et il a quel âge, ce petit enfant? On va leur demander, quoi. Ouais, on va demander quel âge a l'enfant. Donc je vais quand même leur demander ce que c'est, hein, mais voilà. Après, la costilla, ça c'est une côtelette. Ouais. Churrasco, c'est ce que t'as mangé, c'est de la poitrine. C'est pas de... mal, ouais. Machin. Brochette de... Le cerveau. Le cerdo, non, c'est du cerdo, cerveau c'est du... Non, c'est du cochon. Ok, d'accord. Ils aiment bien le cochon en Espagne. Pollo, c'est du poulet. Ah, je vais prendre du poulet. Et ça, c'est des pommes frites. Ouais, bah, je vais prendre du poulet avec les frites, moi. Je pense que je vais prendre ce menu. Et puis, puis t'as une salade mixte en entrée. C'est-à-dire, salade mixte, il y a plein de salades dedans. Ouais. Plusieurs sortes de salades. Bon, je suppose, quoi, des tomates avec des pommes de terre et tout ça. Voilà. Bon, ouais, je pense qu'on va prendre ça, là. Et ben voilà, on va juste demander quand même la moitié de l'enfant, qu'est-ce que c'est, si on a la tête ou les pieds, et puis on verra, quoi. Allez, bon appétit, c'est parti. Voilà, à midi, ce qu'on va manger, la salade composée, avec tout un assortiment de viande. Bon appétit. Allez, J41, l'aventure, ça continue. Et aujourd'hui, à midi, petite pause où on a pu manger, mais pas vraiment recharger, parce qu'on a fait péter les plombs du coup du restaurant, ça tenait pas le coup. Donc là, on est reparti, après avoir mangé plus précipitamment que prévu. Et nous sommes repartis pour, évidemment,
un checkpoint qu'on adore et ça va être une station service où là on va peut-être, je pense, pouvoir recharger comme il faut et envoyer donc nos centrales nucléaires qui sont quand même de 8 ampères. Alors 2 fois 8 ampères, bah, ça fait 16 et 16 au resto, ça n'a pas tenu. Bon, on va voir ce que ça donne sur la station service, il ne devrait pas y avoir de raison. C'est parti, go! Allez, J41, l'aventure, ça continue. Et comme à midi, bah, on n'a pas pu recharger parce qu'on a fait un petit peu sauter le restaurant. Ça tenait pas avec nos 2 centrales nucléaires. Donc, je le rappelle quand même, 8 et 8 au niveau des ampères, ça fait quand même 16 ampères. Et notre spot préféré sera, une fois de plus, la station service. Je vais te montrer ça maintenant. Et voilà, ça donne ça. La centrale nucléaire est en action. Et là, c'est 16 ampères. En tout et pour tout, pour les 2 monstres. Bon, ça va tenir là, le chef de Black Gilday. J'ai expliqué à la serveuse qu'on a fait péter au restaurant. Tu lui as pas fait peur au moins ici? Elle a fait des yeux comme ça, j'ai dit non, mais on a mis sur la prise des trucs des mains, ça va tenir. On tire pas le que ce machin il tire quand il est allumé. Allez, c'est bon. Oh la vache.
Et ma pépite animalière du jour sera avec les vaches. Salut les fifis. Alors, ça broute toujours de l'herbe en Espagne? Ouais, voilà, c'est ça. Allez, mesdemoiselles, l'aventure, c'est reparti, go! Allez, J41, l'aventure, ça continue. Et nous sommes en fin de journée. On a déjà parcouru 140 km, Eric et moi. Comme tu peux constater derrière nous, on est encore une fois de plus sur le checkpoint recharge qu'on préfère, la station service. Et c'est quand même là où on arrive à recharger le mieux. En plus de ça, on a quand même un petit bar à côté, petit bar restaurant. Je pense qu'on va pouvoir boire un coup et manger. Nous allons recharger max. Et on sait toujours pas où dormir, donc on va pour l'instant improviser. L'aventure, ça continue. Voilà, J41, ça se termine enfin. Et après, du coup, 170 km, pas loin de 170 km. Et là, il est déjà 23h30 et on commence à être quand même un petit peu fatigué. Mais en tout cas, c'était une super journée et on a eu de super paysages. Et maintenant, on va pouvoir se reposer. Go !